commencer le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols doivent défendre le maillot jaune. On devrait pouvoir le conserver sans trop de soucis. Si on contrôle bien la course, on peut même envisager un podium d'étape. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec tous les cols à franchir au cours de cette étape, il ne fait nul doute que seul un grimpeur de grand talent pourra s'imposer aujourd'hui. Ok, je vais le protéger. La montagne ne lui fait pas peur. D'ailleurs, il tente déjà de s'enfuir. Et allez, un autre motivé pour passer la journée à l'avant. D'accord, je suis les attaques. Pour l'instant, la bonne échappée n'a toujours pas pris forme. Il ne va pas vouloir te laisser partir. T'as déjà un équipier devant. L'échappé possède 30 secondes d'avance. L'écart ne bouge pas entre le peloton et les échappés.
pompiers rentrent et qu'on soit trop nombreux à l'avant. Le peloton roule fort, restez bien placés. L'échappée n'arrive pas à creuser l'écart. Les premiers arrivent au sprint intermédiaire. Remporter le sprint intermédiaire, bien joué! Le maillot vert change d'épaule, mais il reste dans l'équipe. Car devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. Vai, 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 vai
Bravo les gars. Il n'y a plus personne échappé. Allez les gars, courage! Allez les gars, on continue comme ça! Bye! Le peloton est à 2 km du sommet. Vous en marquez des points pour le maillot à poids.
C'est indispensable pour conforter notre place de leader. Concernant le classement de la montagne, il y aura 10 points à prendre pour le coureur qui franchira en tête le prochain col. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Excellent! Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Il fait partie des meilleurs punchers, mais il est aussi très à l'aise en montagne. Il est intéressé pour le maillot à pois ou la victoire d'étape, mais il peut aussi devenir équipier de luxe. Il fait rouler ses gars car c'est un danger pour le général. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Le col de la Forcla est en vue pour la tête de course. Avec ses 8 km de montée à 8%, il faut s'attendre à voir tous les plus faibles en montagne se regrouper à l'arrière au sein d'un groupe Eto. Vous avez 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. Encore une accélération. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Le groupe maillot jaune est maintenant à une minute de la tête de course. Voilà un excellent puncher qui sait aussi bien grimper en montagne. Par contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul car ses capacités au sprint sont vraiment limitées. L'avant de la course est à 2 km du sommet.
Voilà le classement du dernier grimpeur. L'écart est en train de fondre avec le maillot jaune. Les échappés auront du mal à aller au bout. On signale une accélération dans le peloton. Les 6 premiers coureurs au sommet empocheront des points pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Il y aura 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à marquer. Un équipier est en train de perdre le contact. L'écart reste sensiblement le même. Allez les gars, on continue comme ça. Le peloton roule fort, restez bien placés. L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Bien calme tout ça. Encore 5 km et les hommes de tête pourront se disputer les points de la montagne. L'avant de la course est à 2 km du sommet. L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général.
classement du dernier grimpeur. Le col des Aravis est classé en troisième catégorie. Il y aura donc 2 et 1 point à marquer pour les deux premiers qui franchiront son sommet en tête. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Vas-y, Juan. Allez, plus vite! Un équipier vient de se faire lâcher! Ne comptez plus sur lui! Allez les gars, on continue là, plus vite, plus vite. Bravo les gars. Bye. Bravo. Allez, on continue les gars. Mythico. La tête de course entre dans la zone de ravitaillement.
L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Rouler ces gars car c'est un danger pour le général. L'échappé augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Allez, encore quelques kilomètres de plat et la course entrera dans sa partie finale avec l'enchaînement de la côte des Amorants et la montée du Bétex. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez, allez, allez les gars, courage. Allez les gars, courage. Allez les gars, comme ça. Allez le maillot à poids. Allez les gars, courage. Il attaque. Le peloton roule fort, restez bien placés. Il fait rouler ses équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Plus que 5 km pour la tête. Allez, encore 5 km pour l'homme de tête. Il est bien parti pour inscrire son nom à cette étape. Le prochain sommet est classé en première catégorie. Le premier marquera 10 points pour le classement de la montagne. À moins de 3 km de l'arrivée maintenant, l'homme de tête semble filer vers une incroyable victoire. Courage, on peut tout le monde.
On est à moins de 2 km avant l'arrivée. L'homme de tête a 1 minute 30 d'avance sur les favoris. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires, de s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement dans sa salle des trophées. Espérons. Il va monter. Il est. Bravo les gars, félicitations à vous. On faisait partie des outsiders, vous avez réussi à battre les favoris. Bravo pour cette victoire. Bonjour à tous. C'est la dernière étape, les gars. Ça va être une journée très exigeante. C'est vraiment une étape à oublier. On avait les moyens de jouer les premiers rôles et on n'atteint même pas le top 10. C'est décevant.
Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. C'est une étape sans intérêt pour nous. Restez au chaud dans les roues. Bonne étape! Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un cadre grandiose qui accueille les coureurs. Le Mont Saint-Michel. Au-delà du paysage, ce sont surtout les sprinteurs qui devraient nous offrir du spectacle aujourd'hui, avec une étape taillée pour eux. Ça s'anime en tête de peloton. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. Mathias Brandley est un très bon rouleur et mieux vaut ne pas lui laisser trop d'avance. Rappelez-vous, il avait d'ailleurs battu le record de l'heure. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars.
On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. L'échappée perd du terrain. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Ah, les étapes de plaine. Pas étonnant qu'elles ne passent pas en entier à la télé. L'échappée approche du sprint intermédiaire. L'occasion de rappeler que le vainqueur d'un sprint intermédiaire empoche 20 points. Ce qui ne l'assure pas de porter le maillot à l'issue de l'étape, puisqu'il y aura 50 points attribués à ce dernier. L'échappée perd du terrain. Voilà le vainqueur des sprints intermédiaires. Les équipiers accélèrent. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Continuez comme ça. Les coureurs entrent maintenant dans la zone de ravitaillement. Ils vont pouvoir refaire le plein de gels énergétiques. Bravo les gars, c'est bien. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Il fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. Le peloton roule fort, restez bien placé. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. On est à 15 km de l'arrivée et le peloton ne devrait pas tarder à rattraper les échappés. On se dirige tout droit vers un sprint massif. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Plus que 5 km, on se dirige vers un sprint massif.
5 km pour le peloton. Les sprinteurs font rouler leurs équipiers pour se placer et décourager toute attaque. À moins de 3 km, c'est maintenant l'emballage final qui se prépare. Les poissons pilotes sont en place et les sprinteurs ne vont pas tarder à passer à l'action. Dernier kilomètre, faut sprinter! Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape contre la montre, Düsseldorf, Düsseldorf. Il est en tête du classement. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot jaune, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette étape reliant l'Allemagne à la Belgique, il y a fort à parier que les sprinteurs mettront tout en œuvre pour décrocher la victoire. Si certains tenteront sûrement de déjouer leur plan, les chances de les voir réussir tiennent du miracle. Les coureurs vont très rapidement affronter une première côte répertoriée pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Elle devrait permettre aux baroudeurs de passer à l'offensive pour lancer l'échappée du jour. S'il veut prendre des points pour le maillot vert, il doit s'échapper. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. À l'avant, c'est le mieux placé pour le maillot vert.
L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Les étapes de plaine. Pas étonnant qu'elles ne passent pas en entier à la télé. Le sprint intermédiaire approche pour la tête de la course. Il permettra aux 15 premiers de marquer des points pour le classement du maillot vert. Celui qui passera en tête lors du sprint intermédiaire marquera 20 points. Le second lui empochera 17 points alors que le troisième prendra 15 points. Le peloton est à 5 km du sprint intermédiaire. Ça va être important de remporter le sprint intermédiaire pour défendre notre maillot vert. Je compte sur vous, les gars. T'as empoché le maximum de points. Ça permet de conforter ton avance pour le maillot vert. Ok, je vais relayer. Ça risque de provoquer des cassures. Toujours pas d'échappée. Vous avez peur que ça bordure ou quoi? La course va bientôt aborder une portion plus accidentée, avec trois côtes qui vont se succéder. La prochaine difficulté est classée en quatrième catégorie. Il n'y aura donc qu'un seul point à marquer pour le classement du meilleur grimpeur. Une nouvelle côte approche pour la tête de course. Une fois encore, il y aura un point à marquer pour le classement du Grand Prix de la Montagne.
Regroupement général. Tout va donc se jouer dans le final. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Les 20 derniers kilomètres sont sans aucune difficulté. Tout devrait désormais aller très vite maintenant dans ce final belge. Il reste 15 km et c'est un peloton groupé qui file maintenant vers Liège. Un sprint massif semble inévitable. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Allez, après le prochain virage, c'est la dernière ligne droite. Et là, le sprint va être lancé. C'est la flamme rouge pour la tête de course. Allez, un kilomètre, faut tout donner dans le sprint. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Usain Bolt. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Bravo, enhorabuena. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et... Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot jaune, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape! Mesdames et messieurs, bonjour. Compte tenu du terrain plat proposé pour cette étape, nous devrions assister à un scénario des plus classiques. Une échappée matinale qui tentera de résister au peloton emmené par les équipes de sprinteurs. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien.
bon rouleur, il n'a pas vraiment de points forts pouvant effrayer ses adversaires. Il passe bien les bosses, mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités au sprint pour espérer s'imposer. Il peut compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée en petit groupe. L'écart avec la tête reste stable. Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Le peloton se met à rouler derrière toi. On dirait qu'il veut pas un mec de plus en tête de course. La seule côte de la journée est classée en quatrième catégorie. Il y aura donc seulement un point à gagner pour le Grand Prix de la Montagne. Voilà le classement du dernier grimpeur. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. Ah, les étapes de plaine. Pas étonnant qu'elles ne passent pas en entier à la télé. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. L'échappée perd du terrain. Le coureur qui passera en tête au sprint intermédiaire empochera 20 points pour le classement du maillot vert. Ok, je vais relayer à bloc. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint.
L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. Faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. A virtuellement pris le maillot blanc. Ok, je viens de protéger. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Allez, encore 10 km avant d'assister probablement à un sprint massif. De l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Ok, je vais essayer de gêner les relais. Attaquer.
Encore 5 km, ça va être très compliqué pour l'échapper. Si elle résiste au retour du peloton, ce sera un véritable exploit. Plus que 5 km, préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Ok, je vais attaquer. Les coureurs vont bientôt tourner à droite pour traverser la rivière La Maine. Il restera alors un virage à gauche avant d'aborder la ligne droite finale sur un peu plus d'un kilomètre. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Cette étape est pour lui, il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Verdier Longhi. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il va monter sur le podium pour... Il va... Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot jaune, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape! Un immense bravo pour cette victoire. Bonjour à tous. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le tempo en tête de peloton. Gardez-en sous la pédale pour réagir aux attaques, car on n'a pas une avance énorme. On fait partie des outsiders pour la victoire d'étape. Cela va être compliqué de surprendre les favoris, mais on doit pouvoir terminer...
Mesdames et messieurs, bonjour. Les différents monts d'Auvergne à escalader dans les 30 derniers kilomètres seront propices aux attaques. Nous devrions assister à une course de mouvement où les favoris du général pourraient bien se découvrir. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. C'est un bon grimpeur-puncheur, assez passe-partout. C'est un coureur solide, en montagne et en plaine. Parfait pour épauler un leader, même s'il supporte mal les changements de rythme. Devant, c'est le mieux placé au général. Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général, on peut laisser filer. Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général, on peut laisser filer. Il se passe pas grand chose. Il n'y a pas quelqu'un qui veut animer la course en attaquant? L'échappée est à 5 km du sprint intermédiaire. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. Le peloton roule fort, restez bien placé. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. La première difficulté du jour est classée en deuxième catégorie. Les coureurs se partageront 5, 3, 2 et 1 point pour le classement du maillot à poids. Allez ! Bravo ! Allez, plus vite, plus vite ! Continue comme ça. Bravo. Allez. Plus vite. L'écart augmente.
Pas de quoi s'affoler, les gars. Il n'y a personne de dangereux pour le général. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Allez, vas-y. Allez, allez, on te suit. Allez, on lâche rien. Voilà le classement du dernier grimpeur. Il devient le leader du classement de la montagne. L'échappée traverse actuellement la zone de ravitaillement. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Il fait rouler ses équipiers à fond. Va falloir accélérer à l'avant.
t'es le plus dangereux de l'échapper pour le maillot jaune. Continuez comme ça. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. Allez les gars, courage ! Allez les gars, on continue comme ça ! Allez, courage, on continue les gars ! Allez ! Il fait rouler ses équipiers à fond. Va falloir accélérer à l'avant. Allez les gars, allez on y va. À 50 km de l'arrivée, les choses sérieuses commencent maintenant pour la tête de course. Les montées et les descentes vont s'enchaîner jusqu'à la fin de cette étape. C'est bien. Il y aura 2 et 1 point pour le classement de la montagne. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude, ils sont mal placés au général. L'échappée a peu de chances d'aller au bout, les gars. Faites attention aux contres.
Les coureurs abordent le pas de Pérol, que l'on appelle aussi Puy-Marie, classé en deuxième catégorie. Le coureur qui passera en tête à son sommet empochera 5 points pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. Demandez à ces gars d'assurer le tempo. Surveillez-le. Ils doivent se sentir en mesure de gagner l'étape. Notre leader lâche prise. C'est pas le moment. Allez les gars, vous assurez le tempo pour défendre le maillot jaune. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse car tu es dangereux pour le général. Va falloir essayer de résister. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Ça marche. Je me ravitaille. Attention, il attaque. Nouveau jeune en tête du classement des moins de 25 ans. Et c'est toujours un gars de l'équipe. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final.
Il fait partie des tout meilleurs grimpeurs, capables d'accélérer dans n'importe quel col. Il est sur la liste des favoris pour le classement général. Mais attention, son équipe a un autre coureur en réserve capable de viser le général. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse, car tu es dangereux pour le général. Va falloir essayer de résister. T'as encore 2 km avant d'arriver au grimpeur. Il essaie de sortir du peloton. Il y aura 5 points pour le premier au sommet. Devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. On prend les commandes du maillot à pois. Bien joué, les gars. Il fait rouler ses gars car c'est un danger pour le général. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Allez, 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 allez.
comme ça. Plus vite. Courage, hein. On continue. L'homme de tête est au pied de la dernière difficulté du jour. Ça va être compliqué quand même pour lui de résister au retour des poursuivants. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Encore 1 km avant le sommet. L'homme de tête bascule vers l'arrivée, mais il va devoir poursuivre son effort jusqu'au bout, car ses poursuivants sont à moins de 30 secondes. L'arrivée sera jugée au bout d'un faux plat montant de 600 mètres. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Vittel, la planche des mêmes. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici, il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert. Il va monter sur le podium pour recevoir. Il va. Bravo les gars! Félicitations à vous! On faisait partie des outsiders, vous avez réussi à battre les favoris.
Bravo pour cette victoire. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot jaune, on va devoir assumer nos responsabilités. Bonjour à tous. Si le début d'étape est propice à la formation d'une échappée matinale, le final, en revanche, sera un terrain de jeu idéal pour les équipes de sprinteurs qui mettront tout en œuvre pour provoquer un sprint massif. Bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. C'est un électron libre, il peut jouer les troubles faites si les conditions lui sont favorables. Il n'a pas l'air de vouloir vous laisser plus d'avance et ses équipiers roulent. Ça va être le jeu du chat et de la souris. Le maillot jaune change d'épaule, mais il reste dans l'équipe.
lâche rien. Allez, tiens bon. Ouais. Allez, vas-y, fonce, fonce, allez. On est avec toi, on te suit. Allez, vas-y, fonce, allez, fonce, allez, allez. Hop, hop, allez. Courage, on continue. Il n'a pas l'air de vouloir vous laisser plus d'avance et ses équipiers roulent. Ça va être le jeu du chat et de la souris. T'es à 2 km du grimpeur. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. T'es parti seul, vu le profil, c'est un peu mission impossible. J'espère que tu vas recevoir du renfort. Gère bien ton effort. Ça va être difficile de lutter tout seul face au peloton. C'est bien. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Il y aura 2 et 1 point pour le classement de la montagne. Ça attaque encore en tête du peloton. C'est l'heure du ravitaillement pour la tête de course. Va falloir accélérer le rythme. Son équipe a commencé à mettre en route derrière. Gère bien ton effort. Ça va être difficile de lutter tout seul face au peloton. T'es à 5 km du sprint intermédiaire. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué! L'échappée perd du terrain. Les équipiers accélèrent. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Je déconne, c'est pour réveiller le mécano. Les équipiers mènent la chasse en tête de peloton. Les intentions ont l'air claires. Jouer la victoire au sprint.
Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Le peloton a 1:30 de retard sur toi. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. L'écart diminue les gars, le peloton devrait jouer la gagne. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. 10 km, on se dirige vers un sprint massif. Je compte sur vous pour gagner l'étape et conforter notre maillot vert. Il vient de tomber. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Grosse chute dans le peloton. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. L'emballage final se prépare, les sprinteurs sont aux avant-postes, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Allez, un kilomètre, faut tout donner dans le sprint. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape. Il va monter sur le podium. Il est dans une dire. Il est. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. Thank you.
Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir au puncher. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le